fier, Babou Noël, fier. On les appelle pas, hein? On les oblige pas. On leur donne pas sardine, on leur donne pas du pain, on leur dit pas aller égorger les gens, on dit aller parler aux Ivoiriens. Babou dit aller parler aux Ivoiriens et aux Ivoiriens. Merci Justin, félicitations. Merci Daï, merci Kamé Kamé, merci les filles qui s'ajoutent, merci beaucoup, merci. Tato, j'ai pas oublié, hein? Mon garçon Tato, c'est pas la première fois. En 2018, quand on faisait le CMC, CMC, au plateau, les militaires de Ouattara l'ont battu. Ils l'ont traîné sur le goudron et ils l'ont emporté. Ils l'ont mis en prison. Et il est sorti de là. Tato, c'est Tato, c'est Tato d'a découvert. Viens mon garçon. Qui dit ce qu'ils veulent? Viens mon garçon. C'est Tato. Tato, t'as fait couper. On est ensemble. Je n'oublie pas les femmes là. Les filles de marionnettes. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Je ne vois pas. Merci. Merci d'être là. Vous savez, chers enfants, peuple d'Atekoubé, tout a été dit par les enfants de Baboulou. Et nous sommes fiers. Ce dont je peux parler, c'est que ce qu'ils ont dit là, et le rendez-vous du 30e et du 1er là, à Tekoubé, fait frontière, je ne dirais même pas frontière, à Tekoubé est dans Yopougon. Et à Tekoubé et Yopougon là, doit vous fournir 2 millions de personnes ici. Est-ce que vous avez compris? C'est quand même à découper. Voilà. Que personne ne reste dans la maison. Parce que c'est ce jour-là, le 31 mars là, et le 1er avril. C'est-à-dire on quitte le nord et après on va au sud. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces deux jours-là que nous allons prendre pour accueillir Bakolora. Nous allons l'accueillir, l'accueil qui a manqué. L'accueil où nous ont opposé les armes. Ils nous ont opposé les calaches. Ils nous ont opposé, je ne sais pas, la fumée. La crie. Où ils ont tiré sur nous, vrai, vrai. Les enfants de Côte d'Ivoire n'ont pas reculé. Il y a un enfant que j'ai vu qui avait à peine 11 ans. Il a dit, Babo, c'est le quoi blindé? Il y a un mot là. Hein? Non. Non. C'est pas bataillon, il y a un mot. Le petit, il n'avait à peine que 11 ans et il était parmi nous. Fais le carrefour de Koumassi. Quand le mot va venir, je vous le dirai. Mais l'enfant était parmi nous et il était décidé. Ça veut dire que chaque génération se prépare. Bako prépare les générations des Ivoiriens. Chers amis, dans ces deux jours-là, nous allons réhabiliter Bako Lora. C'est le début de la réhabilitation de Bako Lora. Dans cette réhabilitation qui commence le 30e, il y a les municipales, il y a les régionales. C'est le début de la réhabilitation. Vous devez lui donner toutes ces victoires. Dans cette réhabilitation,
réhabilitation, il y a que nous devons préparer le 25. 2025, nous devons préparer ça. Et cette grande mobilisation du 31 et du 1er, c'est la victoire de Gbagbo-Laura que nous commençons. 2025, il faut donner le pouvoir à Gbagbo-Laura. Il va sauver les Ivoiriens. Il faut lui donner la victoire. Donnez-lui la victoire. Donnez-lui le pouvoir. Pour que vos visages redeviennent luisantes. Mais on vient des gens malades. On n'a rien. Ils sont aussi sur l'argent de Côte d'Ivoire, ils mangent seuls. Ceux même que vous connaissiez ici, là. Aujourd'hui, c'est eux qui vous mangent. La main, vous prêchez. Ceux que nous connaissions ici à Découvé. Et qui étaient chez nous matin, midi, soir. C'est eux qui nous manquent aujourd'hui. Parce qu'ils ont bénéficié d'une rébellion qui a décimé la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Ils ont versé le sang. Et c'est pourquoi vous devez vous lever, vous tous qui êtes ici. On n'a plus peur. Et on ne doit pas avoir peur. C'est fini la peur. Est-ce que vous avez compris? Parce que souvent quand on vient, vous êtes décidé comme ça. Et puis le jour qu'on doit vous voir, ne vous voit pas. Vous applaudissez ces jeunes gens qui sortent de leur tripe ce qu'il faut pour vous convaincre. Et après, on ne vous voit pas. Hein? Prêche la main. Et après, on ne vous voit pas. Il faut qu'on vous voit. Je connais chaque visage d'Atekoune. Merci. Bagbo est venu. Nous avons tenu. Nous avons prié. Nous avons pleuré. Nous avons gêné. Et il est là. Allez voir le chef. Parce qu'il n'ira pas individuellement, il ne va pas venir à Tekoubé. Il ne va pas venir à Tlacheville. Il ne va pas venir à Bebito. Il ne va pas venir à Abobo-Doumé. Non. Lui-même, il vient là-bas. On va défiler. Vous allez le regarder. Il va regarder son monde. Il va savoir que personne n'a bougé de Iota et que son monde est là. Vous avez compris? Il faut que partout soit bouclé. Je n'ai pas bouclé de monde. Je n'ai pas dit bouclé de violence. Pour que les gens demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les affaires de Yopougo et de la découpe des frontières là? Tout est fermé. On dit le chef est assis là. On dit c'est le chef qui est là. On dit quel est ce chef? On dit c'est Gbagbo-Laura. Vous n'avez plus rien à dire. Le propriétaire est assis là. C'est ce que les gens vont dire. On dit qui est là? Pourquoi partout il y a du monde? Pourquoi le pouvoir noir de monde? On dit propriétaire de la Côte d'Ivoire là, il est là. C'est pourquoi on vient vous chercher. Nous sommes venus vous chercher. Il fait nuit, on est là. Et on vous parle. On s'en fout des risques. Il s'agit de Gbagbo-Laura. Il s'agit de notre fétiche. On s'en fout. Je vous donne rendez-vous pour la réhabilitation et pour l'accueil le 31 dès 5h du matin. Dès 4h du matin. Même la veille 30, on s'amuse là-bas jusqu'au matin. Et on continue pour faire le défilé. Partout doit être noir de monde pour la réhabilitation et la veille du président Bagbo. Que Dieu nous aide. Merci, merci, merci la population. Merci mon frère.